Ce résumé vous est présenté par Lay's et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Carrasco, il est passé, le petit pont, Carrasco encore, c'est bien joué, le centre, la déviation, il est passé à côté, Llorente, la frappe maintenant qui est repoussée de nouveau. Oh là là, quelle opportunité, Griezmann qui passe à côté du ballon. Surtout, quel super travail de Yannick Carrasco. Pas énormément d'opportunités pour l'instant à se mettre sous la dent. Peut-être ici avec ce ballon dans le recto. Oh, oui. Oh, l'arrêt d'Oblak. Oh, l'arrêt d'Oblak. Attention à cette déviation qui ne passe pas très loin. Ouais, c'est un défenseur qui a touché ça. C'est le marre, je pense. Pep. Ballon. On va chercher le ballon dans le rectangle avec Carrasco qui attend la sortie de Black. Ouais, ça c'est un peu joué avec le feu là pour Yannick Carrasco. La perte de balle, le service en retrait, ça va être but, ça non. Ouh là 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 là, Yannick Carrasco. Point dans le paquet. Oh, c'est bon, c'est but, c'est but, c'est Griezmann au deuxième. Quel coup de coin avec un marquage laxiste. J'aimerais revoir parce que Griezmann, il est tout seul au deuxième. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il y a une déviation de Kondogbia. Je pense que c'est lui. Après, il reçoit le ballon, en fait, vraiment avec beaucoup de chance. Je pense qu'il y a une déviation de Kondogbia. Allez, ça repart avec Cunha. Ouais, c'est pas mal cette infiltration dans la défense de Porto, il y va tout seul, Cunha pour le deuxième. Oh, okay. Oh là là, la finition, non, c'est pas fini, ce n'est pas terminé, est-ce que ça va au fond? Non. Incroyable. Quelle action. Incroyable et improbable, il y a eu un coup de sifflet, non, même pas. Ok, on reste au tapis. Qui se lève, voilà, ça s'énerve, ça s'énerve, ça s'énerve, ça s'énerve. Carrasco, Carrasco est dehors, Carrasco est dehors, c'est absolument idiot de la part de Yannick Carrasco. Yannick Carrasco qui a pété les plombs sous la provoque de Porto, on doit le reconnaître. Porto a provoqué, mais il n'a pas à faire ça, Yannick Carrasco. Intervention. Oh là 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 là, Vendel aussi. Mais non, mais non. C'est ridicule. Et carte rouge. C'est ridicule, mais double oui. Double rouge. Mais c'est ridicule. On équilibre les choses. Mais après, Alex, moi je suis pas certain vraiment que ce coup mérite. Non. Et on essaye de ressortir proprement du côté de l'Atlético avec Antoine Griezmann, tout seul, qui va aller conserver le ballon le plus possible. Oh, la remise, elle est belle. Magnifique. Avec Correa qui est parti peut-être pour le but du chaos dans cette rencontre. André Le Correa qui doit finir. Voilà, c'est fait. 0-2 en contre. L'Atlético, je ne vais pas dire qu'il tue tout suspense, évidemment, puisqu'il reste encore un petit peu de temps dans cette partie, mais on n'est pas loin du chaos. On n'est pas loin du chaos pour Porto, là, avec la joie des joueurs, du staff, du banc. Attention, un troisième but peut-être pour l'Atlético. Service en retrait, Griezmann, contré, c'est but quand même. Voilà, la finition tranquillement. Et là, on ne peut plus rêver de rien. Rodrigo De Paul qui traînait par là. Là, c'est terminé définitivement.
Ça veut donc dire que l'Atlético va se qualifier derrière Liverpool. Sortie de défense difficile là pour l'Atlético. Et nouveau coup de sifflet, pénalty. Pénalty donné par Monsieur Turpin. Et Oliveira, oui, c'est très bien noté. Ça ne change pas grand-chose. Un 3 à l'honneur et sauf, on va dire, pour Porto. Ce résumé vous a été présenté par Lays et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League.